Parfois, il suffit d'une petite touche de couleur pour transformer un vêtement banal en un vêtement original. En plus, ça peut lui donner beaucoup plus de valeur. Et vous savez ce que ça veut dire? Plus de blé, bébé! Phew! Je suis prête! Je vais devenir riche! Bonjour! Venez jeter un coup d'œil à ma nouvelle collection! Oh, comme elles sont originales! Il me les faut! Mes amis vont être super jaloux! Waouh! En plus, elles sont pile à la bonne taille! C'est génial! Merci beaucoup! Mouah! Mouah! Je dois filer! Bon, voyons voir! Qui c'est qui va payer le loyer ce mois-ci? Salut à tous! Je sens que cette journée va être merveilleuse! Autant que ma tenue, je l'espère! Oh! Tout doux! Tout doux! Ah, qu'est-ce que... Oh non! Je tombe! Oh! Ouch! Je suis vraiment désolée! Tu vas bien? Je ne t'avais pas vue! D'habitude, je m'en sors plutôt bien en patins! Nos chaussures vont super bien ensemble! Comment je pourrais me fâcher contre quelqu'un qui aime le rose autant que moi? Je te remercie! Oh, regarde! Des roulettes roses! Oh là là! Je les veux! Genre maintenant! Je fonce! Je peux te l'acheter? Génial! Merci! Elle est à moi maintenant! Mais je vais faire quelques modifications. Vous avez deviné? Je vais fixer les roues sous mes chaussures. Et voilà, j'ai des patins. Je vais les rendre un peu plus confortables. Qui n'aime pas la fourrure rose? Je vais aussi mettre des strass parce que j'en ai envie. Oh, c'est tellement beau! Mais bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Voilà, une petite avance rapide et c'est parfait. Et voilà, j'ai terminé. C'est mignon, vous ne trouvez pas? Il faut juste que j'évite de me casser la figure. Mais ça devrait aller. Attention, prête et roulez! C'est parti! C'est trop drôle, pas vrai? Les amis à roulettes, c'est pour la vie! Waouh, cet endroit est vraiment génial! Comment bien commencer le week-end? Tu penses à ce que je pense? N'en dis pas plus, je sais! Génial! Salut mec! 2 mini cheesecakes! Je vais les prendre avec ma carte. Ça ne passe pas ici. Celle-ci alors? C'est bon! Merci! Et voilà le dessert! J'ai pris ton parfum préféré! Grace? Hein? Oh, salut! Je peux savoir ce que tu fais? Oups! Désolée! Bon, puisque je suis là... Je n'arrive pas à croire que Jake m'ait laissé tomber! Oh, ça ne va pas se passer comme ça! C'est hors de question! Il faut que je me démarque! Voilà, comme ça! Encore un peu! Maintenant, laissons la magie opérer! Je fais un double nœud pour ne pas que ça bouge. Puis je rentre les bords à l'intérieur. Et je fais glisser le t-shirt sur mes épaules. Je replie un peu les manches, si elles sont trop longues. Alors qu'est-ce que tu penses de ce top? Pas mal, hein? C'est carrément tendance, pas vrai? Jake! Tu es toujours occupé à ce que je vois. Ce n'est pas grave, je vais attendre. Grace? C'est toi? Ta langue va bientôt toucher le sol. Hé! Et moi alors? Je déteste mes fringues. Je parie que je peux le faire aussi. Oh! Waouh! Ouais, ça fait toujours cet effet. Est-ce que je peux t'offrir un café? Waouh! Ce nouveau jean me va super bien. Oh! C'est Kevin! Il veut qu'on aille au parc! Cette tenue est tout simplement parfaite! J'espère qu'il l'aimera autant que moi! J'ai tellement hâte! Ça va être une journée de folie! En tout cas, elle commence bien!
Oh, coucou, petit ami à plumes. Passe une excellente journée. Hey! Oups! Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Au revoir. Oh, j'y crois pas. C'est encore Kevin. J'ai pas envie qu'il me voie comme ça. Oh, une petite seconde. C'est quoi ça? Un gamin m'a renversé du chocolat dessus. Pas terrible. Mais quelque chose me dit qu'on va pouvoir arranger ça. Ah bon? Comment? T'inquiète, je gère. D'abord, il me faut de la peinture marron. Maintenant, je vais l'étaler avec une éponge. Comme ça, ça fait un joli cercle. J'ajoute un peu de peinture sur une brosse à dents et je vais l'appliquer autour du cercle. Ce sera plus diffus. Il suffit de faire de petits mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Une fois que c'est fait, je vais prendre un marron plus clair pour créer un effet de contraste. Puis, je prends un coton-tige et je fais de petits points noirs ici et là. Vous avez deviné ce que je suis en train de faire? N'oubliez pas de faire sa petite bouche. Il sera mille fois plus mignon avec des lunettes. Waouh, c'est bien plus joli qu'une tache. Et pendant qu'on y est, je vais lui peindre un chapeau rouge. Bon, ça prend un peu de temps de tout colorier. Voilà, j'ai presque terminé. On n'oublie pas les angles. On peut aussi utiliser un rouge plus foncé pour faire le bord ou bien pour dessiner des motifs. On ajoute un petit message joyeux. Et voilà! Waouh! C'est incroyable! Et dire que tout ça part d'une simple tâche! Je dois y aller! Au revoir! Au revoir, petit ourson! Hé! Hey, psst! Psst! Tu en veux un autre? Miam! Voilà pour toi! Beau travail! Miam, merci! Top là! Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Du rose ou du jaune? Du jaune, c'est décidé. C'est quoi ce bruit? Oh non, maman est déjà rentrée. Il faut vite que je cache mes tenues de fête. Chut! Elle ne saura jamais que je suis partie. Tout a l'air en ordre par ici. Nikki s'est déjà endormie. Waouh, elle doit être très fatiguée. Fais de beaux rêves, mon ange. Je vais aller me toucher, moi aussi. J'en reviens pas que ça ait marché. Maintenant, il ne me reste plus qu'à sortir d'ici. Oula, c'est haut. Faites que je ne tombe pas, hein? Pfiou! Un peu de poussière n'a jamais tué personne. Waouh, cet endroit est génial. Mon pyjama, par contre. Heureusement, j'ai la solution. Vous ne pensiez quand même pas que j'irais en boîte comme ça. Je vais simplement retirer cette manche et la passer derrière, comme ça. Regardez comme c'est élégant. On ne dirait pas du tout que c'est un pyjama. Voilà, il n'y a plus qu'à. C'est parti, je vais danser toute la nuit. Pardon, les filles. Le DJ déchire grave. Wouhou, je vais faire quelques pas par là. Oups, désolée. Mickey, c'est toi? Il faut croire que les chiens ne font pas des chats. Une seconde, moi aussi je sais danser, regarde. Oh, ouais, je vois ça. Je risque pas d'oublier cette soirée. Oh, attends, je crois qu'on y est. Allez-y, amusez-vous bien, mesdemoiselles. Quoi? On peut entrer que si on porte une robe? Bon, dans ce cas, je vais y aller. Attends, tu vas pas me planter là? Très bien, je m'en vais. Salut, je suis venue seule ce soir. J'ai envie de faire la fête. Je peux entrer? Pas de robe, pas de fête. Et là? Je n'accepte pas les pots de vin. Quoi? Bon, bon, d'accord, tenez. Je crois que j'ai déjà dit non. Oh. J'ai une idée. Et si on faisait un échange? Là, ça peut le faire. Continuez, je vous prie. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Donnez-moi ça. On va la customiser un peu, d'accord?
boutonnez la chemise à la taille et fermez-la jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, attrapez les manches et attachez-les dans le dos. Une jolie rosette fera l'affaire. Regardez ça! N'est-ce pas mignon? On dirait que c'est fait pour ça. Une toute dernière chose. Il faut que j'enlève mon pantalon. Ça ne va clairement pas ensemble. Mais je vais garder les chaussettes. Enfilez une jolie paire de talons et vous voilà avec une super tenue. C'est l'heure d'aller danser! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal pour une chemise aussi basique, hein? Impressionnant! Et c'est clair que je suis le gagnant dans tout ça! Wouhou! Waouh, cet endroit est incroyable! Et dire que j'ai failli ne pas entrer! Cette chemise est à tomber! Ça te va super bien! J'ai jamais rien vu de tel! Oh, merci! Que la fête commence! Santé les filles! Wouhou! Bon, il est temps de se mettre au lit, nounours! Nous avons une longue journée devant nous! Ah. Yo! Qu'est-ce qui se passe? C'est plus clair? Oh oui, rock'n'roll! Wouhou! C'est super! Tu as bien progressé à ce que je vois! Wow! Un concert privé dans ma chambre! Je n'en reviens pas, on dirait un vrai pro! Wouhou! Yeah! On va tout casser! Ouais! Rock'n'roll! Waouh! Tous ces nounours! Bon, eh bien, ils ne tomberont pas plus bas! Hors de question de gâcher les nounours bleus! Stacy? Non! Quoi? Attends, ne te fâche pas! Mais, c'est… Mais… Pourquoi? Oh non! Ah! Ce n'est pas juste! Oups, est-ce que ça fait de moi un méchant? Yeah! Tu vois ce cercle en caoutchouc? Place les oursons à l'intérieur! Mets-en tout autour. Une fois que c'est fait, verse de la résine transparente par-dessus. Doucement! Il faut bien recouvrir tous les oursons. Une fois terminé, on obtient un joli bracelet. Rock'n'roll, baby! Oh, c'est pour moi? Donne-moi ta main. Et voilà, comme ça, tu auras toujours tes oursons avec toi. Trop cool! Wouhou! Merci, grand frère. Check, ma sœur. Cool! Encore une chose. Quoi? J'ai cette chemise géniale qui va avec. C'est pour moi? Yeah! T'es trop stylé, grand frère! Il n'y a que les vrais hommes qui portent du rose. Salut! Je suis venue pour l'entraînement. Dans cette tenue? C'est inacceptable! Va te changer! Me changer? Mais c'est tout ce que j'ai! Tu sais lire! Hein? Oh, je dois mettre une tenue de sport? Moi! Je reviens! J'aime le succès! Et voilà! Est-ce que tu vois de la glace quelque part? Tu m'as dit de mettre une tenue de sport! Attention! Est-ce que c'est mieux? Non! Non! Et non! Oh! Cette fille n'est pas croyable! Ouf! Et maintenant? C'est bon? Je ne suis vraiment pas assez payée pour ça! Et là, c'est bon? Non! Sérieux? Oh yeah! Allez, on se bouge! Waouh! Non! Bon, cette fois, c'est sûr que c'est bon! Non! Et là, c'est bon? Je perds patience! Reste calme! Mais tu ne comprends pas ce que je te dis! Pas besoin de crier! Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Les objets trouvés? Mais bien sûr! Est-ce qu'il y a au moins quelque chose d'utile là-dedans? Non. Allez! Ah, voilà! Il faut juste que je fasse quelques modifications.
prends une paire de ciseaux et découpe de bas en haut, comme ça. Jusqu'à la moitié. Ensuite, retourne-la. Et tada! Tu as deviné? Il n'y a vraiment rien de plus simple. Génial! Une brassière de sport! Waouh, ça déchire! Je l'ai faite moi-même! J'aime beaucoup ton style! Merci beaucoup! Oh, il faut que j'y aille! Je suis prête! Ça vous embouche un coin, hein? Je ne vous jette pas la pierre! Allez, au travail! 1, 2! Oh! Déjà? On n'a même pas commencé! Ah! Ouh! Cette journée d'école s'annonce bien! Oh! C'est pas grave! Je vais me changer! Voyons voir! Plutôt vert ou plutôt rouge aujourd'hui? Bof! Ouh! Sûrement pas. Pourquoi est-ce que mes habits sont tous troués? J'ai vraiment rien à me mettre. Je me demande de quoi j'aurai l'air là-dedans. Trop drôle! Mais non! C'est tout ce qu'il reste? Waouh! J'adore cette couleur! Génial! C'est plutôt tendance, non? Est-ce que cette couleur me va bien? Je trouve ça pas mal. Ta-da! Waouh! C'est magnifique! Parfait! Allez, c'est parti! Tu es prête, Mandy? C'est l'heure d'y aller! C'est quoi tout ce bazar, hein? J'ai dû faire face à une urgence vestimentaire. On dirait qu'une tornade est passée ici. Quoi? T'aimes pas ma tenue? Attends. Et si tu essayais ça? Quoi? Tu veux que je porte ton t-shirt? Tiens! Ça ne va pas m'aller! Essaye-le, tu verras! Ouais, la taille parfaite! Oups, désolé! Merci pour ton aide! Ce truc est affreux! À moins que... j'arrive à en faire un joli haut! Il faut que je fasse quelque chose de cette manche! Et voilà, un t-shirt tout neuf! Voyons voir ce que ça donne! Waouh, ton t-shirt est super cool! Dis-nous, est-ce que tu l'as acheté? Waouh! C'est vrai qu'il est tout à fait unique, pas vrai, les amis? Wouh! C'est l'heure de faire la fête! Salut! Je t'ai apporté un cadeau! Waouh! Merci beaucoup! De rien, j'ai trop faim! J'adore recevoir des cadeaux! Je me demande ce que c'est! Oh! C'est trop excitant! Alors, qu'est-ce que c'est? Il n'a vraiment aucun sens du style! Alors, tu aimes? C'est une jupe? Elle est un peu grande! En fait, c'est un pantalon! J'adore la couleur! Oh non! C'est horrible! Attends, on peut réparer ça! Oh! Ok, essayons! Allez, c'est le moment de sauver cet anniversaire! Voici un pantalon vraiment gigantesque! Il me suffit de prendre une paire de ciseaux! Je découpe juste une jambe! Voilà! Et je la retire! Ce n'est plus un pantalon maintenant! Je l'enfile sur ma tête! Et cette jambe devient une manche! Et voilà! Cet affreux pantalon est devenu un top! Salut! Je suis de retour! Waouh! Trop belle! Je ne savais pas que ce pantalon faisait aussi t-shirt! Ah là là, les garçons! Nous sommes tous parfois très occupés, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous amuser avec la mode! Allez, saute! Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle un saut dans la mode! Quand il s'agit de vêtements, laisse tomber les cours, on va s'amuser un peu! Hé! Donne-moi ton argent! Non!
Regardez-moi cette meuf. Oh, j'ai une poussière dans l'œil. Ça fait mal. Ce sac est à moi. C'est parti. Ha! Ouf! C'est mieux. Ne te retourne pas. C'est bien, reste distraite. Et... hop! Trop lente, mademoiselle! Je ne pense pas, monsieur! Oh non! Je vais tomber! Oh! Je n'avais pas pensé à ça! Pardon? Ce crétin a détruit mon sac de créateur! N'appelez pas la police! J'arrive pas à y croire! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez mes affaires, elles sont toutes sales! C'est pas de chance! Mon foulard? On dirait qu'il est encore en bon état! Je crois que je peux en faire quelque chose! Un nœud ici. Et un autre à chaque coin. Voilà! Ça fait une sorte de petite poche! Maintenant, je relie ces deux-là. Un double nœud sera même meilleur. Et voici des poignées. On dirait un sac tout neuf. Parfait pour ranger temporairement mes affaires. Il est même plutôt mignon, pas vrai? C'est pas un petit voleur qui va me gâcher la journée. Ces vacances vont être géniales. J'ai trop hâte d'être toute bronzée. Et j'ai fait des folies sur les achats, tu verras. Bouclons cette valise. Je ne dois rien oublier. Surtout mon chapeau. Je ne peux pas prendre ces chaussures. Il me faut plutôt des sandales. Où les ai-je laissées traîner? Souris! Elle a grignoté mes sandales! Rends-les-moi, stupide rongeur! J'ai dit donne! Ah! Allez, file d'ici! C'est bon, elle a disparu. Hé, ça me donne une idée! Je peux prendre ses bottes et en couper le bout. Et voilà! C'est propre! Et maintenant, je coupe tout le long ici. Et voilà le résultat! Ça me fait une nouvelle paire de sandales! J'adore! Prends ça dans ta face de souris! Attention la plage, j'arrive! Je dois juste passer par mon casier. Oh, il est vraiment trop mignon! Salut, on se voit plus tard, mon beau. Oh là là, il est juste là. Salut. Il ne m'a même pas remarqué. C'est trop injuste. Oh, elle pleure là-bas? Effectivement. Je me demande si je peux faire quelque chose. Je sais qu'elle est à fond sur Jared. Tu sais quoi? Je vais aller lui parler. Salut, tu pleures à cause de Jared? Écoute, je crois que je peux t'aider à attirer son attention. Je t'assure, prends mon bracelet et fais exactement ce que je te dis. D'accord, je peux faire ça. Oh, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Très bien, d'abord, je dois déboutonner et enlever mon gilet. Et ensuite, elle a dit que je devais le mettre à l'envers. Ok, ça c'est bon. Maintenant, le bracelet entre en jeu. Cette étape peut être un peu difficile. Je dois attraper les deux bouts dans mon dos et les faire passer dans le bracelet. Ensuite, je dois tirer jusqu'à ce que ce soit bien serré. Maintenant, il faut que j'attache le dernier bouton à l'avant. Et je vais simplement plier le gilet pour qu'on ne voit pas le bouton. Parfait! Maintenant, j'enlève mes lunettes et je détache mes cheveux. C'est bon! Je crois que je suis prête à frimer avec mon nouveau look. Wow! Mais qui c'est ça? Elle est sublime! Salut, je t'ai acheté ce nounours parce que je sais que tu aimes les peluches. C'est quoi ce délire? Et d'où sont sortis tous ces garçons? C'est le
jour de la lessive. Heureusement que je n'ai pas trop de linge à laver. Oh, mon jean préféré! Je l'adore vraiment! Et voilà, juste une petite machine. C'est parti, ça devrait aller vite. Je vais quand même vérifier l'heure. Je vais m'asseoir et attendre ici. Waouh, on en apprend tous les jours! Oui, j'attends que mon linge se lave. Oh, c'est fini! Je te rappelle. Ok, voici ma jupe. Quoi? Mais pourquoi est-elle aussi petite? Non, 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 c'est pas possible. Pas mon jean préféré! Ouf, il a l'air normal. Je vais quand même l'essayer pour être sûre. Allez, rentre! Je dois tirer plus fort! Oh, c'est inutile! Il a dû rétrécir lui aussi! Mon jean est fichu! Je suis dégoûtée! Ma journée est fichue! J'ai l'impression d'avoir été trahie par cette machine à laver. Hé, j'ai une idée! Peut-être que si je l'enfile à l'envers, je peux remonter les jambes. Et... je tire dessus! Ouais, ça a marché! Je suis rentrée dedans! Bye bye la jupe! Je n'ai plus besoin de toi! Ouais! Mon jean préféré me va encore! Et il est encore plus près du corps! Je vais finalement passer une bonne journée! Ok, oui, vous pouvez entrer! Oh, on dirait qu'il faut faire la queue avant d'entrer. J'espère qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Oui, la queue avance encore. Wow, très joli. Entrez. Non. Non, pas possible. Quoi? D'accord, je m'en moque. Je ne voulais pas y aller de toute façon. Il faut que les gens apprennent à mieux s'habiller s'ils veulent entrer. Et c'est lui qui dit ça, alors que son classique est ennuyeux à mourir. Attends, je peux peut-être essayer avec cette tenue. J'ai dit non! Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour entrer. Les cheveux lâchés, les lunettes rangées. C'est parti! Encore vous? Non! 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 Bon sang, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se le mettre dans la tête? C'est pas juste! Il est tellement méchant! Et si j'utilisais ces ciseaux, ça fonctionnerait? Attends, ça pourrait vraiment marcher! Désolée, mon sac, mais je dois te découper! Et voilà, j'ai enlevé le fond. Maintenant, l'étape suivante. Je le porte comme un débardeur. J'ai besoin d'autre chose pour que cette tenue en envoie vraiment. Ma créole devrait faire l'affaire. Parfait! Maintenant, c'est sûr que je rentre. Wow! Bon, d'accord, vous pouvez entrer. Oui, je savais que ça marcherait. Oh! C'est pas bientôt fini! Ah! Aïe, aïe, aïe! Oh, ça va aller? Quelle chouchotte! J'ai presque fini. Très bien, voilà. C'est fini? Trop bien! On dirait une vraie rockstar! J'ai hâte de le montrer à tout le monde! Oh, ce pull cache la vue! Je refuse d'avoir autant souffert pour rien! Un pull? Erreur de débutante! Est-ce qu'un nœud fonctionnerait? Je déteste ce truc! À moins que... je peux enrouler ma manche pour maintenir le tissu relevé. Je n'ai plus qu'à remettre mon bras de cette façon. Comme ça. Comme ça. Il ne descend plus aussi bas. Ma coolitude vient de monter d'un cran. Contente que ça te plaise, gamine. Merci, vilaine tatoueuse. Je veux dire, c'est cool. Oui, je suis trop heureuse. Oh, j'adore trop ça.
Si seulement je ne pouvais me nourrir que de chocolat. Oh, et de glace, bien sûr. Waouh, ça fait beaucoup de cochonneries pour une seule personne. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu mangeais directement du sucre. Si tu continues de manger comme ça, tu ne vas plus ressembler à ça pour encore très longtemps. Tu dois avoir raison, mais est-ce que ce serait si grave? Oui, j'ai enfin obtenu tout le chocolat dont je rêvais. Ouh, je n'ai pas envie de ça pour moi. Et je dois me mettre au sport. J'arrête de traîner en pyjama. Il y a forcément des vêtements de sport quelque part là-dedans. Mince, c'est le seul legging que je trouve. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mais regarde, il ne me va pas. Écoute, je suis sûre qu'on peut bricoler quelque chose pour qu'il ressemble au mien. C'est une super bonne idée! Je vais le mettre bien à plat. Et ensuite, j'aurai besoin de ciseaux. Je vais le couper pour le raccourcir. Je vais y aller tout doucement pour m'assurer que je coupe bien droit. Comme ça, tout simplement. La même chose pour les deux jambes. Parfait! Il est prêt! Je peux l'enfiler. Waouh! Il me va super bien! Et il est joli! Bien joué! Il est génial! Merci! Allez, on va courir! On dirait que c'est la bonne adresse. Oh, ce doit être mon colis. Une livraison pour vous. Ouais, j'adore recevoir des colis. Celui-là vient d'Australie. Ouvrons cette boîte. Allez, je dois retirer ce scotch. Oh, ça ne sert à rien. Mais oui, utilisons des ciseaux. C'est plus efficace pour couper le scotch. Je coupe bien toute la longueur. Et voilà, je peux ouvrir le carton. Oh non! J'ai découpé ma veste! Elle est fichue! C'est une catastrophe! Je peux peut-être faire quelque chose. Allez, je vais l'enfiler et voir ce que je peux faire. Je vais reprendre les ciseaux. Je vais continuer de couper là où c'est déjà déchiré. Voilà, et je fais tout le tour. Je peux maintenant utiliser le bas pour faire une jupe. Les boutons m'aideront à la faire tenir. Et voilà, ça me fait un joli petit ensemble. Waouh, ce look est incroyable. Je dois faire une photo. Ces selfies vont m'attirer des likes. Et voilà, je vais publier celle-là. Oh, j'espère qu'ils vont aimer. Ça y est, ils me trouvent trop cool. Oui! As-tu aimé ces astuces vestimentaires? Elles sont vraiment pratiques quand on est dans le pétrin. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis fashionistas. Tu as déjà vu celle-ci? Abonne-toi à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos.